Prière de libération pour les communautés en difficulté. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous te rendons grâce et nous t'adorons en la personne de ton Fils Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous voici rassemblés devant toi humblement pour t'adorer. Nous savons que tu es bien ici présent dans cette hostie sacrée où tu nous regardes avec tant d'amour et de miséricorde. Nous profitons de ce moment d'adoration si précieux pour t'offrir notre communauté avec ses problèmes majeurs. Seigneur Jésus, nous t'offrons aujourd'hui nos cœurs brisés par toutes sortes de croix et d'événements vécus dans nos familles, dans nos foyers et dans notre milieu communautaire et social. Libère-nous en ce moment même, afin que, par la puissance de l'Esprit Saint, tu refasses l'unité de nos cœurs et ceux de nos proches. Seigneur Jésus, aide-nous à accueillir ton pardon que tu nous as offert sur le bois de la croix. Dépose-le dans nos cœurs souffrants et aide-nous à l'accueillir pour le bien de notre communauté déchirée par la haine. Seigneur Jésus, nous ne sommes plus capables de tenir. Donne-nous la force de laisser tomber l'égoïsme, l'hypocrisie, la division et la rancune. Donne-nous aussi la force nécessaire de pardonner à tous ceux et toutes celles qui nous font souffrir et qui nous ont causé du tort, à l'exemple de cette parole sur le bois de la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur Jésus, laisse couler en nous ton esprit de pardon qui nous engage humblement à souhaiter du bien et la paix à tous nos ennemis. Libère notre cœur de toute révolte, de tout faux jugement, de toute calomnie, de toute réaction intérieure venant de la jalousie, de tout pouvoir de dominer, d'être chef et à nous emparer de l'argent. Seigneur Jésus, par ton esprit de discernement, aide-nous à comprendre les ruses de l'autre à travers nos frères et sœurs qui sont sur la voie de se perdre. Donne-nous la force de les aider à se retrouver par la diplomatie de ta sagesse et de ton amour.
Seigneur Jésus, par ton esprit de force, aide-nous à nous débarrasser de toute attaque froide du malin qui a pour mission de détruire notre communauté par des divergentes idées personnelles. Aide-nous à nous débarrasser aussi de tout ce qui n'est pas de toi. Orgueil, confusion, discorde, amertume, se faire chef, ressentiment, aveuglement et tout ce qui peut nous détruire socialement et spirituellement. Seigneur Jésus, réveille en nous le goût de la prière avec tous ceux et celles qui en ont besoin. Et donne-nous le moyen de vivre les dons de grâce avec tous ceux et celles qui les ont perdus. Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit de conseil afin d'aider nos frères et sœurs dans l'égarement. Viens, par ta toute puissance, au secours de cette communauté malade. Seigneur Jésus, dépose en nos cœurs le goût de l'Eucharistie qui est l'âme vivante de la communauté, cette communion fraternelle qui refait notre force et nous unit à jamais. Donne-nous la grâce par ton esprit d'unité de rendre grâce à Dieu, notre Père, pour son amour pour nous. Amen. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance et nous espérons en toi. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance et nous espérons en toi. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance et nous espérons en toi. Nous t'adorons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.